où le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a accueilli ce matin un atelier de présentation dédié à l'évaluation et la révélation d'un rapport exhaustif sur l'état florissant de l'économie numérique à Djibouti. Sous les feux des projecteurs, ce rapport scrute avec finesse les défis, les atouts qui façonnent le paysage numérique djiboutien, mettant en lumière l'impérieuse nécessité de développer les infrastructures digitales, d'abaisser les barrières d'accès au haut débit et à un coût raisonnable, ainsi que de cultiver les compétences digitales vitales pour le développement socio-économique dans une analyse minutieuse. Ce document de référence a mis en exergue l'impératif de renforcement des fondements de l'économie numérique, notamment à travers le développement des infrastructures, des télécommunications et des données, l'émergence des plateformes numériques robustes, la promotion des services financiers digitaux et le soutien indéfectible à l'entrepreneuriat. Toutefois, il n'a pas manqué de dresser un état des lieux précis, accompagné des recommandations stratégiques dans chacun de ces domaines. En effet, si Djibouti a franchi des jalons significatifs dans le domaine numérique, il est clair que le pays n'a pas encore exploité pleinement son potentiel technologique. D'abord, permettez-moi d'exprimer, au nom de l'institution que je représente ici, mes sincères remerciements au gouvernement djiboutien pour son engagement résolu et son soutien indéfectible à la transition numérique de Djibouti. Je tiens également à saluer l'ensemble des collaborateurs et partenaires, y compris le ministère délégué à l'économie numérique, qui nous accueille en ces lieux au centre clé, ainsi que tous ceux qui ont contribué avec la Banque mondiale à l'élaboration de ce diagnostic essentiel. Un remerciement spécial est dû aux panélistes qui enrichiront la troisième partie de notre événement et à mes collègues de la Banque mondiale, en tête desquels Mme Audrey Harris ici présente, pour leur travail acharné. Le rapport qui nous sera présenté aujourd'hui offre un diagnostic exhaustif de l'état actuel de l'économie numérique à Djibouti, mettant en lumière les forces, les défis et les vastes opportunités que le numérique représente pour le pays. Lancée en 2022, cette étude est d'une pertinence incontestable.